Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctetou, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 et Call of Duty Black Ops 2. Avant d'attaquer le sujet, tout simplement, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune news, aucun bon gameplay. Voilà tout ce que tu veux à travers les différents Call of Duty, etc. Voilà, maintenant il y a un nouvel objectif, on a dépassé le 50 000, c'est aller le plus loin que possible, donc n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications. Niveau gameplay, alors je vous ai mis une nucléaire à la nouvelle MSMC de Call of Duty Black Ops 3 sur Nuketown en groupe de 2, j'ai donné mon avis par rapport à ça, etc. Et niveau du deuxième gameplay, ça sera Chester qui va me donner un gameplay sur VO2, parce que je fais, hein, de nouveau, j'ai pas retourné sur VO2 rien que pour ça. Donc il m'a donné un joli petit gameplay, voilà, sur VO2, je crois que c'était en même temps avec Napo sur Skyjack. Voilà, c'est juste comme ça, vous avez une comparaison des deux armes. Bon, la MSMC, une des dernières nouvelles armes DLC sur Call of Duty Black Ops 3 avec l'Olympia et un camouflage Empire que vous pouvez voir, enfin, Empire, Empire. Moi j'aime bien dire Empire, je sais pas pourquoi j'aime bien dire Empire, ça parce que Age of Empire, pour ceux qui s'en souviennent de ce jeu mythique. Enfin bref, hein, pour les personnes qui disaient, oh le camouflage Royalty c'était putaclic, LT, hein, c'était putaclic. Ouais, ouais, c'est. Et voilà, on l'a. Donc ils ont décidé de l'appeler le camouflage Empire au lieu de camouflage Royalty, hein, donc le camouflage auquel j'avais parlé, donc les personnes de nouveau qui disent putaclic. Voilà, hein, je suis vraiment désolé, ça doit être chiant pour vous, etc. Enfin bref, dommage qu'on ait pas eu l'ascarache, c'est vrai que j'aurais bien voulu avoir l'ascarache, etc. Mais bon, la MSMC ça fait toujours extrêmement plaisir, étant donné que je suis un énorme fan, je suis un ultime fan de Call of Duty Black Ops 2, et revoir une arme de Call of Duty Black Ops 2 sur Black Ops 3, est-ce que c'est réussi? Première des choses, parce que on a eu la Galil, mais la Galil elle est pas terrible. On a eu la K-74U, elle est géniale, la K-74U, enfin de BO1, elle est géniale. Est-ce que c'est réussi? Non, la Galil et la K-74U, pour moi c'est un échec. La FFR, est-ce que c'est réussi? Non, c'est un échec de nouveau. Donc là, est-ce que la MSMC a réussi comme la M16 ou la N94 a bien fonctionné? Et la question est oui! Oui, cette arme est ultra bien! Cette arme est ultra cheatée, je peux vous le dire. Je peux mettre cette arme, franchement, je peux mettre cette arme en tant que première meilleure SMG VS la VMP. Vraiment, je ne déconne pas, je peux carrément au corps à corps rivaliser et même à moyenne distance rivaliser avec des AR avec cette arme-là. L'MSMC est, pour moi, un des meilleurs fusil d'assaut. C'est censé être une mitraillette, et moi, je le considère limite comme un fusil d'assaut, parce que l'arme, elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse. Et c'est ça qui est génial. Ça fait plaisir, même si vous allez me dire, ouais, mais si tu tombes dessus, alors, et quelqu'un qui n'a pas dessus, il va avoir l'avantage, etc. Je vais tout de suite vous dire, même si j'ai pas les MSMC, et j'ai pu jouer sur le compte d'un abonné, mais qu'est-ce que ça fait plaisir, cette arme-là, elle est magnifique, je peux vous le dire, elle est magnifique les potes. C'est un pur kiff de jouer avec, franchement, j'ai retrouvé des anciennes sensations. Bon, même si c'est pas exactement l'MSMC de Call of Duty Black Ops 2, parce que ça je vais en revenir juste après, mais revoir cette arme là, et la revoir puissante, oui, parce que le but c'est aussi que l'arme soit de nouveau puissante, hein, parce que, comme j'ai dit avant, la FFR c'est pas terrible, la K-74U c'est pas terrible, la Galil, c'est pas terrible. À un moment donné, quand on revoit une nouvelle arme, on se dit, putain, si c'est une ancienne arme, au moins qu'elle soit intéressante, au moins qu'elle soit intéressante. Et on a eu ça, justement, avec la MSMC. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. J'ai eu la chance de vous faire des gameplays avec. Malheureusement, j'ai eu la malchance de rater deux World First en live. Vous avez pu voir, justement, la première nuque au monde à la MSMC, je l'ai raté à un kill. À cause malheureusement d'une RCXD, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, il y a deux kills juste avant que mes alliés me volent et que je me tape deux assistants. C'est pour ça que lors du gameplay, à un moment donné, vous me voyez un peu tempo. Pourquoi? Parce que le 29, il m'était resté au fond de la gorge. Alors franchement, j'ai tellement eu le seum quand j'ai vu que j'étais de nouveau à 29 ici. Je me suis dit, non, je ne ferai pas la même connerie. Je prends vraiment mon temps jusqu'à que j'ai l'opportunité de faire un kill. C'est vraiment, c'était vraiment ça. Et en plus, vous allez voir, lors de la barre des feats, il y avait un Argus à un moment donné qui était dans le bâtiment à côté. J'ai dit, je vais pas faire le con. Là où peut-être, c'est pas de m'envoyer de nouveau assistant. Je me suis dit, non, putain, j'ai un kill MSMC. Je me suis dit, non, mais je suis maudit avec cette arme. Puis voilà, c'est bon, je vais faire la nuque avec. Mais l'MSMC de Call of Duty Black Ops 3 est vraiment très, très, très puissante. C'est une des meilleures armes, selon moi, qui existe. C'est incroyable comme cette arme est vraiment très intéressante. Elle est vraiment polyvalente. Au corps à corps, elle fait un taf de ouf. Donc, franchement,
C'est une réussite. Pour moi, c'est une réussite. Vraiment, ces nouvelles armes DLC sont bien. L'Olympia aussi, mais par contre, l'Olympia, je vous ferai une vidéo demain dessus, etc. Pour dire quel est, selon moi, le petit défaut que l'Olympia a. Mais la MSMC, en fait, pour moi, il y a. Le seul défaut qui lui manque, vraiment, le seul défaut qui lui manque, c'est carrément un chargeur rapide. C'est vraiment que ça recharge un peu plus vite. Ça, c'est un peu comme le truc de la manoire. La manoire, tu vois, genre, elle est puissante et tout, etc. Mais son défaut, justement, c'est que tu mets du temps à recharger et tout, etc. Ça peut être assez embêtant. Bah là, la MSMC, vraiment, si tu n'as pas un chargeur rapide, et même avec chargeur rapide, ça prend quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à recharger. Donc, c'est son gros défaut. Pour moi, c'est l'énorme défaut, justement, de la MSMC. Ce qui est plutôt assez. C'est assez normal, on va dire. C'est vraiment assez normal parce que, vu à quel point on peut enchaîner les mecs, je trouvais ça à peu près normal. Ensuite, donc, la MSMC de Call of Duty Black Ops 2. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de la présenter? Est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter la MSMC de Call of Duty Black Ops 2? C'est l'SMG mythique. Je pense que si tu t'en souviens de l'époque, du DE, etc., ou même de tout, cette SMG était juste parfaite. Elle était géniale. C'est la première fois qu'on voyait cette SMG et c'était une réussite de nouveau. Donc c'est ça qui est génial aussi avec Treyarch, c'est que des fois, ils t'inventent des armes, mais des trucs de malade, genre la M8 et tout, comme ça. C'est inventer ces armes-là et elles marchent putain de bien. Et c'est quasiment les armes les plus appréciées des Call of Duty. C'est ça qui est juste incroyable quand même, à se dire que c'est carrément les concepteurs. Des Black Ops qui ont créé, selon moi, quasiment toutes les meilleures armes. Je dis quasiment parce que c'est vrai que la CR est toujours ultra bien, la MP7 est géniale aussi, etc. Mais je préfère quand même les armes de Call of Duty Black Ops 2 à des Call of Duty comme de Infinity Ward. Voilà. Après, ça, c'est les goûts et les couleurs. Chacun ses goûts. Enfin bref, niveau de oui, je vous ai oublié de vous dire la petite best class setup selon moi qu'il faut sur Call of Duty Black Ops 3 à la MSMC. Ce que je vous recommande, c'est chargeur rapide, chargeur grande cape avec comment ça s'appelle, avec une poignée, soit poignée, soit poignée ergo. Alors vous n'avez vraiment pas besoin, mais poignée ergo, je trouve que ça serait quand même assez intéressant. C'est un bon petit bail et tout, etc. Donc n'hésitez pas à mettre une poignée si vous voulez. Je ne trouve pas vraiment utile, mais c'est les goûts et les couleurs comme d'habitude. Ensuite, comme maintenant on doit comparer, est-ce que l'arme est aussi intéressante sur Black Ops 3 que sur BO2? Non. Elle l'est encore plus. C'est ça qui est incroyable. C'est que sur Call of Duty Black Ops 3, la MSMC est plus puissante. Elle est plus cheatée que sur Call of Duty Black Ops. Que Black Ops 2. Sur Black Ops 2, tu vois, elle est bien, etc. Elle est puissante, on est bien d'accord. Mais sur Black Ops 3, c'est pas elle est puissante. Elle est cheatée. C'est un autre délire encore. C'est un autre délire. Moi, quand j'ai joué avec, hein, quand vous avez vu que j'ai fait une série de 29 avec. J'avais zéro accessoire dessus, hein. J'avais zéro accessoire, j'avais jamais touché l'arme de ma vie. Première game, série de 29. Troisième game, série de 26 en FFA. J'étais là en mode, non mais l'arme est vraiment très, très, très puissante, les potes. La MSMC, c'est un pur kiff. Limite, si vous voulez vous mettre de l'argent pour essayer d'avoir une arme, je pourrais pas vous dire, ouais, ne le faites pas, essayez pas de vous faire pigeonner parce que c'est possible que moi je mette un peu d'argent, tu vois, pour essayer d'avoir l'arme parce qu'elle est vraiment ultra ultra puissante. Et ça fait plaisir de voir une SMG comme ça. Ça fait longtemps que j'ai pas vu une SMG vraiment qui me plaît. Parce que je suis vraiment quelqu'un qui est basé sur l'AR normalement. Genre la M8, la Manoir, la KN, l'HVK. Il y a vraiment plein d'armes que j'adore. Il y a vraiment plein d'AR que j'adore. Et que j'aimais peu vraiment dans les SMG. Les seules que j'aimais vraiment, c'était quoi? C'était la Razorback. Mais la Razorback, pour moi, elle se comporte comme une AR parce qu'elle a vraiment une précision de malade. Et ensuite, la Kuda, parce que la précision aussi est bien. Mais là, la MSMC, mon pote, c'est vraiment, je prends un pur kiff. Genre, la VMP, moi, je suis pas fan, hein, je vous le dis tout de suite. C'est un style de gameplay qui me convient pas du tout. Je suis quelqu'un qui adore les AR, etc. Mais les SMG, c'est vraiment, j'ai repris du plaisir à jouer avec une mitraillette. C'est un truc de malade, hein, j'ai juste pris du plaisir à jouer avec une mitraillette. Et c'est génial, franchement, ça fait grave, grave plaisir de rejouer avec... Avec une SMG comme celle-ci, comme la MSMC, quoi. La MSMC, j'ai passé des heures sur Call of Duty Black Ops 2. Des heures, des jours. Je geekais ce jeu. Et revoir cette arme-là sur Call of Duty Black Ops 3, c'est vraiment le pur kiff. Mais il faut le dire, l'MSMC de Call of Duty Black Ops 3, je la trouve beaucoup plus puissante que celle de Call of Duty Black Ops 2. Peut-être, franchement, peut-être sur Black Ops 3, elle mériterait quand même un petit patch. Elle mériterait quand même un petit patch parce que qu'elle soit aussi puissante pour une arme DLC sur Call of Duty Black Ops 3,
Ah, ça, t'imagines s'il y a quelqu'un qui paye et qui obtient ce qu'il lui faut, etc. et quelqu'un qui paye pas et qui l'a pas. Ah, ça deviendrait de nouveau une histoire de pay to win à peu près, etc. Bon, quoique tu vas me dire que t'as le pot de vin, t'as une chance d'essayer de l'obtenir. Putain, on va y arriver si je commence à bégayer en live. Donc voilà, vraiment, moi, la MSMC de Call of Duty Black Ops 3 est supérieure à celui de Call of Duty Black Ops 2, je peux vous l'assurer. Enfin bref les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu comme d'habitude, de toute façon c'est les 1000 likes à chaque fois. N'oublie pas également de me dire qu'est-ce que toi tu en penses, si t'as pu tester la MSMC, si tu l'as pas eu, est-ce que t'aimerais l'avoir. Et surtout n'hésite pas à partager la vidéo partout, donc que ça soit sur les réseaux sociaux, YouTube, c'est n'importe quoi Philippe, c'est à l'époque ça, Twitter, Facebook, et ce que tu veux, si t'as envie YouPorn ou Brazzer, je m'en bats les couilles, fais ce que t'as envie de ta vie gros, c'était Loctet tout. Peace out.